C'est toujours plus simple qu'une ferme à 8 heures, en effet. Je sais pas d'ailleurs combien il vaut, Bah. tout ce qui est Nether Star, tout ça a baissé ou pas en prix? C'est 42 069 le beacon, je crois. Un truc comme ça. C'est énorme hein, quand même. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de joueurs qu'on en vendu. Bah, en fait, un beacon, c'est 3 têtes. C'est ultra long à farmer, hein. Ah, tu sais, si t'as une looting 3 en vrai, des fois. Ah, mais tu parles des enchantements, tu parles des personnes qui connaissent pas les enchantements du jeu. Ouais. Ah, faudra voir quoi. C'est surtout la deuxième grosse usine aussi qui va nous aider pas mal. Ouais, y a pire. Tout ça, c'est juste pour le début, hein. C'est ça. Parce que d'après Hypierre, apparemment, personne d'autre penserait faire cette usine. Donc, bon. Ça pourrait être stonks. Bah, c'est pas une usine commune en fait, Ouais. on va dire. Bah, c'est une C'est mécanique de pas jeu la que si tu connais première. pas, tu peux pas faire quoi. C'est ça. Ah, quelqu'un qui se noie. Commence à avoir mal au poignet. Ouais, mal au petit Gog. doigt, moi. Force de sneak là. Je poserai mon sable, j'en ai à foutre. Ah, évite Gog, de il aime le mourir quand même. risque. Hein. Et là, un petit guardian et paf. Bah si on va jusqu'à là, en vrai, déjà, ce serait pas mal. Hein, pour la soirée. Enfin, pour jusqu'à là, quoi. Bah, large, large. Parce que là, c'est à peu près la moitié du temple. À peu près. Hein. Mais du coup, ça pourrait être intéressant de faire déjà la moitié et de faire la moitié de l'usine. Comme ça, on aura déjà un début de rendement. En même temps qu'on farme. Pense que tu peux faire la moitié de l'usine. Ouais, histoire de maximiser. Ouais, non, mais je veux dire, ça passe. Oui, bah ça Oui, marchera. ça. Ça marchera, c'est juste que le rendement sera pas optimal parce qu'il n'y a pas toute la zone possible, mais Ouais, ça va marcher quand déjà même. ça. T'as une technique universelle pour aller vite ou pas? Bah Selon non, toi. je fais exactement la même chose, c'est-à-dire je fais trois colonnes par trois Ouais, colonnes. 3, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ouais. Mais ça me Et tu flingue la spam main, clic ou tu moi. laisses le clic enfoncé? Non, non, faut spammer, ça va plus vite. Ok. J'ai déjà Après, moi, tu hésité sais, à je suis un utiliser un petit vieux, auto-clic, mais bon. je fatigue quoi. Ah ouais. Ça existe ça, des speedruns de le premier qui remplit un. Enfin, qui vide un temple de guardian? Non, mais par contre, t'as des speedruns minor chunk. Miner un Ah chunk ouais. entier de la surface jusqu'à la bedrock. Et c'est quoi le plus opti? C'est de miner du diam, ça va? En gros, tu fais avec un igloo. Dans l'igloo, t'as le zombie villageois que tu transformes en villageois. Ouais. Villageois, ensuite, si tu le transformes en. Comment ça s'appelle? En weapon. Non, pas en weapon, en toolsmith. Et il te proposera une pioche en diams efficiency 2 ou 3 pour une seule émeraude. Et tu t'achètes plein de pioches, genre une dizaine. Et Et ensuite tu tu vas mines. miner. Et le Ah record du monde c'est genre ouais. 1h30, 1h20. Ah, du coup, ce speedrun là en 1.17, ça doit être compliqué en vrai. Miner un chunk. Ouais. Bon, 1.17 en vrai ça a pas trop changé, mais je pense 1.18 ouais. Oui, en 1.18 avec la génération de cave. Alors je pense qu'ils vont créer soit une catégorie à poire, soit ça n'existera même pas, je sais pas. Parce qu'il faut être courageux quoi. Matox ça va en problème. Bah, pour l'air. Ah non, mais tu prends un pseudo? Oula, en effet. Ah. Oula. Petit souci. Oula. En vrai, à ce rythme-là, je pense, ouais, à 20 h, on aura fini la moitié quasiment. Normalement, ouais. Golden est dépité. Ouais. Ça le déprime. Je pensais pas qu'on avait passé autant de temps. Pense au coffre rempli que tu vas avoir après, quoi. Bah, j'espère C'est que ça va être ça, Stonks, pense hein, au parce que si c'est pas million. Stonks. C'est pas Non, mais grave, si, t'auras c'est la pour Stonks. satisfaction de te dire que t'as fait ça aujourd'hui. Bah, moi, j'aurais du poisson à bouffer, quoi. Goyon, j'espère que tu vas poser du sable aussi. Oui. Après, sinon, je Ah! peux te donner. Il me reste Merci. littéralement un demi-cœur. Sérieux? Ouais, un bloc de plus et je crevais. Mais t'as fait Zerfalling, non? Ouais, j'ai fait un falling. Mais ouais, Je peux causer le. Ouh, c'est un piège à con, ça. Ouais. Ça va? Ça va. Un peu de problème, mais ça va. Good. Stop, 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 stop. Golden, stop. Non. C'est bon. Tout est prévu. J'ai posé le bloc juste avant que ça coule. J'aime bien Matox, on dirait une imprimante quand tu regardes de loin. Il Hein. imprime le sable. Je te jure que c'est archivore ce j'ai l'impression. Je sais pas si c'est psychologique, mais c'est vraiment exceptionnel comme technique. Oh putain. Pas de doigts de tomber ou quoi? Légèrement, ouais. Ouais.
Oh. MLG à l'échelle. Boum. Commence à avoir mal au doigt. Hein. Ah mais j'ai mal au poignet et au petit doigt là, c'est un enfer. C'est que vous jouez pas à Minecraft. Ouais. Manquez d'entraînement les mecs. Hein. Heureux. 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 Attention, les points vont augmenter d'un coup. Nice. Ouf. J'ai vu les dramas dans le chat. Hein. Oui. Les mecs qui pensaient qu'il y avait quelqu'un qui avait des coups alors qu'il avait 5 millions. Oui, oui, j'ai oh, vu. Oh, nice. Incroyable. J'ai 320 000 de pots. Mais t'as juste un full inventaire là. Un full inventaire. Ouais, quasiment full inventaire, ouais. Ouais, ouais, bah ça doit être ça qui ferme les autres alors. Ouais, c'est, ah, oui, c'est ça, ce qui c'est va, sûr. Oui, oui. Bah, il y a une team, enfin, il y en a genre 19 000 qui ont été mis tout à l'heure. Oh. Ah, mais t'imagines le nombre de fours. C'est vrai que du bah, coup, ça doit être une dinguerie. Oui, en plus, j'ai regardé le clip dont il parle dans le chat, y a rien. Genre, c'est, il passe le portail, pas juste. Non, mais ils disent que c'est Hellspawn parce que Hellspawn il a déco en même temps que Polo. Donc, ils sont en mode, ils ont PvP lock tous les deux. Wow. Sauf que c'était pas lui, tu vois. On en est là donc. De toute façon, toutes les 10 minutes, tu les vois râler admin dans le chat donc. Non, mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est Freedom, il sort, on s'en bat les couilles alors que ça fait un quart d'heure qu'ils attendent que le mec que se relève en fait. Donc, bon. Oui, non mais. Il y a un petit problème, hein, je peux pas dire, mais. Ouais, et c'est du genre giga drama ou. Parce que non, on est en train de manger. Je sais pas, il. Bah, c'est juste qu'il. Ils disent qu'un mec a déco bah... alors qu'il se faisait tirer dessus alors que c'était pas lui. Bah, on le voit passer le portail, on est d'accord? Non, oui, mais c'est surtout qu'ils disent que c'est un autre mec, ils disent que c'est Hellspawn alors que Hellspawn n'était pas du tout avec eux. Et le mec invisible, c'est pas du tout un mec de leur équipe, c'est un autre gars. Oui, okay. Bah oui, c'est Balek qui a dit que c'est lui qui était en invisible. Je vais les manger. Oui, il l'a dit même que c'était lui. Ok. Et donc, genre, ça fait 15 minutes qu'ils attendent pour que le mec redevienne visible et qu'il se reco. Ouais. Ah oui. Et qu'il se reconnecte. Non, mais c'est. Ils sont en mode, il peut se reco votre pote qui a des collogues. Enfin, genre, c'est en mode, bon, les gars. En tout cas, on a bien avancé la ferme, hein, Pierre. Si ouais. Ouais, ouais. Bah cool, bah après là, dans une demi-heure, deux trois quarts d'heure à peu près, elle est fonctionnelle, je pense. Ah oui, à ce point-là. Mais on va en faire, en fait, là, on a bientôt fini la moitié, et du coup, une fois qu'on aura fait la moitié, on va commencer à la préparer. Maintenant, je suis un peu fatigué, j'ai dormi que 3 heures cette nuit pour faire du montage, tout ça, donc... un peu fatigué, quand même. Non. Si. Bah, on va tous aller à la ferme à Gordon une fois l'event terminé, donc c'est bon, non? Comme ça, on peut tous faire l'event et puis après faire l'usine à Guardian d'une seule traite, ouais, on l'a fait entièrement. Et comme ça, on mine. Tous faire l'event, ça nous sert à rien en fait. Bah si, on mine masse truc. Donc à 23h, on aura fini l'event, donc. Ouais, vers 1h, 2h du mat quoi. Enfin après, on sera 12, donc d'un coup. On sera 12. Oui, en France. À peu près quoi. On sera plus 5-6. On sera plus que 4-5. Ouais, je pense pas. Hein. Bah si Jimmy vient nous aider, plus Pierre, ça fait déjà 2. Mais Jimmy il sera dans ses pots de fleurs. Ouais bah Jimmy on va le déraciner, il va venir. Et puis il fera ses pots de fleurs après. Et puis voilà. Bon, du coup j'ai passé le million perso moi, je suis content. Nice. Ah ouais. T'as 1 million combien? 1 100 000, t'es toujours premier Pierre, t'inquiète. Ah ah. Bah, t'es sûr. Venez tous, je vous attends de toute façon pour lancer. C'est en fait tout Steven du coup maintenant. Ouais. Bah, ouais. C'est surtout qu'il faut profiter de la cité pour tous ses aspects quoi. Donc, Souvenez-vous, on a que 10 steaks, donc faut faire un peu attention à la nourriture, faut peut-être en farmer un tout petit peu au début. Faut à chaque fois ramener les minerais, faut les miner que avec Seal Touch, sauf pour le fer, hein. Le fer et l'or vous avez pas besoin parce que ça change pas. Sinon le reste Seal Touch, il faudra les ramener au coffre, au centre, sinon ils sont pas comptabilisés. Il y a une technique alors, du minage qui est mieux qu'une autre stocker, ou... mais puis gauche. Oui, à part ça. Du coup, Pierre, tu peux nous dire l'indice, ce que ça représentait ou pas? Ou t'attends 21h? Expliquez, alors, bah, il y avait une. Attends, j'en mets l'image. Voilà, il y avait une pioche, il y avait un coffre avec un petit minerai de redstone, un petit minerai de diamant. Et il y avait un petit barbu qui était ML, à qui on doit un petit peu cette épreuve, puisque monsieur ML a créé ce petit concours sur Olicube et j'ai trouvé ça, c'était super sympa. Donc, ah bah donc oui, voilà, pour ceux qui débarquent, il y a eu un ban 12 heures d'un joueur de la team grise pour diverses paroles qui ont été profanées dans le chat, voilà. Manque de respect envers une autre équipe, tout simplement. Voilà, voilà. C'est dans les règles, je crois, on doit respecter les autres équipes, etc. Bah, comme le gardien de la Belgique, faut être courtois. Hein. Voilà, exactement. Oh là là. Le monde, car il y a aussi l'annonce de l'event de demain. Le paint, évidemment, le paint, faut pas déconner. Autre information, je vais de ce pas vous lancer le paint dans information
Le paint fait en moins de 30 secondes cet après-midi de l'épreuve numéro 2 de demain. Bonne chance, parce que c'est difficile à vraiment savoir ce que c'est. Incroyable, oui. Cette finale. À votre avis, c'est quoi? Aucune idée. TNT Run. Un truc de culture G. Non. Trop fort. Je crois que ça va être l'image la plus difficile à deviner. Parce que c'est Bill, on est d'accord que c'est Bill en bas. Non. Moi, c'est Bill, oui. Bien vu. Bill. J'avoue que c'est ouais, beau, Bill. Il y a pas un rapport avec Bill hein. Qu'est-ce qu'il y a en rapport avec Bill hein? Ouais, alors là. Surtout, qu'est-ce qu'il y a en rapport entre Bill et attends, le logo nucléaire? Un symbole nucléaire, il y a quoi? C'est pas un jeu. Je ne dis rien, je ne dévoile rien. Moi, je sais. Ouais, ouais, je sais pas. Bill est un truc, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a en rapport avec le nucléaire? Il y a le débat. Oui, il y a des débats dans le chat de Pierre, mais bon, est-ce que ça va vraiment ça va être l'épreuve hein? Tu vas essayer de débattre sur le nucléaire et faire une dissertation. Thèse, synthèse. T'inquiète, t'as le temps, t'as le temps, t'as jusqu'à 10. Il est 9, t'as plus le temps. Cours. Cours. C'est parti. Wow. Ah bon? On y va? On y va? Ouais. Ah oui, oui, let's go, 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 let's go. Attends, il est où? Tout. Non, c'est pas celui-là. J'ai rien à foutre. Ah. J'ai pas croisé un seul animal, moi. Mis à part les perroquets à la con. À part Ika. Oh, quel animal hein. Waouh, waouh, waouh. Mama. Je recherche toujours mon premier charbon. C'est quand même triste, hein. J'en ai plus d'un stack dans l'inventaire de minerai de charbon, si tu veux. Ouais, pareil. J'en ai un demi-stack aussi, ouais. J'ai bientôt deux stacks, moi. Aïe, aïe. Ouais, ouais, bah monsieur, j'en ai plus. Trop fort. T'as combien de nourriture? J'ai 23 pastèques. C'est un concours de minage, pas un concours de bouffe, là-haut. Des cours barbecue du samedi soir, là. Il y a 3 squelettes, hein. Un concours de bouffe. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est bien le... Ah, du charbon! Oh, victoire! Alors moi, je viens de trouver du diamant. Ah, oh ouais, mais... enfin! C'est ma tox. Le mec qui est rentré sous moi, terre... Alors, je verrai pas comment j'ai fait, mais... Après... T'as creusé sous tes pieds, t'es tombé dessus? Ouais, mais j'ai pas creusé sous mes pieds un endroit random. Ah, mais... Oh, ça marche, ça? Non. Ah, mais t'as les strats! Ah, le truc non, non, avec, oui, la clé, c'est ça? Avec la clé, ouais, exactement. Non mais vas-y, go faire cette strat partout. Oui, oui, ouais, ça marche. En fait, le souci, c'est qu'à chaque fois, faut remonter, faut descendre, faut remonter, faut descendre, faut drainer un marais, quoi. C'est chiant. Ouais. Mais après, je sais pas non plus si c'est un coup de chance ou si c'est vraiment fonctionnel à 100%, tu vois. Normalement, je crois que c'est fonctionnel à 85%, je crois. Ouais. Après, le souci, c'est qu'en 1.12, c'est chiant pour remonter, on peut pas nager dans l'eau rapidement. Ouais. Bah, je pense, en vrai, tu creuses des blocs, tu les reposes derrière. Alors, c'est quoi quand tu. Par rapport à la clé, au pattern de clé, suivant comment. Tout de suite à la génération de la clé, tu peux trouver du diamant. Voilà, oui, exactement. Voilà, c'est ça. J'ai jamais cru à cette méta. Ah non, non, mais ça a été prouvé. Ben, ça marche. Oui, ça a été prouvé, ça marche vraiment. Hein. Putain, j'ai jamais cru. Tiens, il y a Matoc, j'ai une question que je me pose. Tiens, la strat des squelettes dans le Nether qui te TP proche d'un stronghold, c'est vrai? Ah oui, des fossiles. C'est des fossiles. Ouais, putain, ça marche. Oui. Ça, c'est impressionnant aussi. C'est en fonction du type de fossile, tu repères la base du fossile. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en gros, la base du fossile, ça te donnera l'orientation. Par rapport au 00 de où s'est généré le stronghold. Parce qu'en gros, si tu prends le 00 et que tu fais un cercle, tu vois, en gros, tu pourras trouver le rayon de où s'est généré le stronghold. Et en gros, après, t'as des coordonnées dans le Nether. Je me rappelle du speedrun du mec, c'est qui fait un portail dans le Nether qui apparaît dans le stronghold. Ouais. Ah oui, bah du coup. Ah, oui. D'ailleurs, si vous minez en ligne droite, faites F3 plus G et minez en bordure de chunk. Vous aurez plus de chances de trouver du diamant. C'est pour un Netherite, du coup c'est strat là. Et qu'est-ce que j'aime en gros, les filons, en fait il y a un nombre de filons qui spawn par chunk et si t'en prends chunk, tu peux avoir le filon du chunk. Par chunk, en gros t'as forcément un filon de diamant qui génère, forcément. Et si tu te mets en bordure, bah t'as entre guillemets, enfin c'est pas deux fois plus, mais t'as en tout cas plus de chances de trouver quoi. Ouais, c'est parti, on a activé F3 plus G. Allez, hein. Ce soir c'est les astuces de Matox. Oh les pures strats. Du coup là je viens de retrouver du diamant, je suis à 10 diamants. Allez, what? Mais c'est le coach, hein, c'est le coach. Est-ce qu'il y a une strat pour trouver des forteresses de l'End? Après, t'as la strat qui est que si tu vas dans la direction dans laquelle le bateau pointe, tu peux trouver notre forteresse.
Mais il y a, Et ça marche très souvent. C'est pas comme les forteresses de du Nether où c'est dans un certain axe. Est-ouest ou je sais plus trop quoi. Ça c'était dans les anciennes versions, mais il y a des histoires de cadrans. En gros, si t'es en positif, négatif et que tu vas en négatif, positif, que t'inverses la zone où t'es, t'as peut-être plus de chances d'en trouver ou ce genre de choses. Ah, vive le minage. Ah, j'ai un spawner. Vas-y, la petite note, Une note chapel, ouais. Non. Il y aura deux notes chapel. Tu aurais pu avoir le même spawner que le mec de l'autre équipe. T'imagines si tu trouves un live bending là. Oh, oh le seum quoi. Non, j'ai pas grand chose moi. Ah, bah diamant. Ah, moi j'ai beaucoup de charbon. Suffit de se farmer. Team 0 diamant. Ah bah. Je suis con, j'ai croisé. Suffisait de se plaindre. Ah, tu vois, ça marche ouf. Hein. C'est une bonne stratégie. Ça marche mieux ma technique. Monsieur, bienvenue en France. 5 diamants. Bienvenue en France, tu te plains, tu t'as ce que tu veux. Bah ouais, mon gars, bah ouais. Il avait pourquoi on est pas en hard ? Oh. Parce qu'il faut que les gens s'amusent. Bourf. Toi t'es pas là pour t'amuser, on sait très bien, t'es là pour tryhard tes grands morts, mais... Ouais. Tryhard, mais en regardant la F1 quand même. Hein. Ah ouais, non, bah écoute, attends, chacun tryhard à sa manière. Hein. Faut quand même pas trop négliger les loisirs. Ah mais ça pêche dans une chauve-souris quand même. Là ça parle mal, là. Là ça parle mal. Oh la vache. Oh c'est lourd. J'y pense toujours encore, hein, la canne à pêche mending que j'ai flinguée comme ça. Attends, non ah, mais par contre t'es interdit de rester au ferme à pêche AFK toi. Entre la canne à pêche mending parce que la chauve-souris et tu meurs AFK parce que... Et le silverfish. Le silverfish, ça va, stop hein. Oh, la tristesse, j'étais pas au courant ça, c'est très triste. J'étais pas au courant. Il est mort AFK d'un silverfish et tu sais pourquoi? Parce qu'un creeper a pété pas loin, a cassé un bloc et ça a fait spawner un silverfish qui est venu ensuite le tuer. Et le silverfish est balayé dans les grottes. Ah, la suite d'événements est incroyable. Et en plus, j'étais en train de faire la révision de ma voiture et du coup, je demande à Gold si j'ai bien pêché. Il me répond, mec, t'es mort d'un silverfish. J'étais là, mais quoi? Comment c'est possible? En plus, il m'a dit ça genre 5 minutes après quoi. Il était en diams, quoi. Non, j'étais mort en diams en plus, putain, le silverfish, fou. Non, ouais, j'ai récupéré le stuff en fait, je savais où il était AFK. On vient de me raconter l'histoire de la canapé, de la chauve-souris. Parce que j'avais pas compris moi du coup. Mais j'étais parti pisser pendant 30 secondes, tu sais. Et genre il y a une chauve-souris pile au moment où je pars qui se met devant moi. Et la canne elle était pas entièrement réparée. Donc le temps que je revienne je l'ai vu des pop en fait. Genre je suis arrivé devant le PC. C'était la piste de trop, c'est tout. Parti pisser slash chier pendant les essais de F1. Regardez quoi, les F1. Coincé une heure dans les toilettes. Ah bah du diamant, voilà c'est... En fait vous pouvez continuer à raconter ces histoires. Faut qu'on continue à te en bâcher, en fait plus on se fout de la gueule de la tox et plus ça fait spawn de diamants. C'est ça. J'ai toujours pas trouvé un seul diamant, je suis un peu triste quand même. J'en ai 17 là, je suis bien. Ouais les diamants quoi. Ce silence est assez spécial. Mais... Oh pour ça. Ouais mais malheureusement c'est encore pas encore du diamant. Il va arrêter de parler. Mon raid, c'est quoi ça vient faire hein. Ah là, la machine est lancée là. Retourne voir ta F1. T'en as combien? Vas-y, t'en as combien? 37. Bah bien joué, mec. Ah ouais. Bien joué. Certains sont à 0. Il se moque de moi. Au secours. Ça, j'en ai 29, c'est pas mal. J'en ai 13. Putain, j'en ai 0, j'en ai pas trouvé un seul. Team 4 diamants présents. On s'est pas moqué de toi depuis un moment là donc. Ouais. C'est... Vous vous rappelez le moment où il est la chauve-souris? C'était énorme. Ah, juste après le... Et après il est mort le par un silverfish. Ouais. Un grand moment, un grand moment de gaming. Oh, alors t'as un fil d'enduit tout neuf qui arrive là. Attends. Red Tox. Oui. Connais-tu la ASMR? Ouais, non mais... Non, qu'est-ce que tu préfères en ASMR? As-tu mangé des tacos hier? Oh putain. Préfères-tu te faire lécher les oreilles? Donc une émanation gazeuse. Non. Ah bah écoute, y en a ça, une. Non, ça a vraiment été fait. Il y en a pour tous les goûts. Ah oui, bah c'est pour ça qu'elle est ban. C'est pour ça qu'elle a été ban. Je crois qu'il y a de l'orage chez moi. J'ai un bruit bizarre dehors. C'est Lilith. Oh, j'adore. Non, pour une fois que c'est pas elle.
Après, toutes les épreuves rapportent entre 1 et 8 points. Fiche, ouais, 8 points pour le premier, enfin jusqu'à 1 point pour le dernier. Et vu que le classement, c'est sur le site, c'est marqué, il y a les points épreuves et les points de jeu, est-ce que ça influe à quel point les épreuves? C'est 50-50 ? 50-50. 50-50. Et en cas d'égalité, c'est les swag coins qui font la différence. Ok. Bah non, la Formule 1, c'est demain à 15h. Oh. De 15h à 17h, je serai pas présent demain. Oh putain, mais t'abuses. Ah, super. Oh le mec, quoi. Oh, tu pêches et sûrement pas à midi parce que je vais au resto avec mes parents. Oh là là. Ouais, bon, en fait, il est pas là toute la matinée. Il est pas tout. Fête des mères, fête des pères, là, petit resto. Ouais, tu fais un peu chier. Le mec, il a une vie sociale, c'est bon aussi. Mais en fait, le mec, il essaie de planter des sites depuis tout à l'heure, mais c'est juste qu'il y a pas de lumière. Ouais, c'est ce que j'entends me dire. Je pense c'est parce qu'il y a pas de lumière. C'est très certainement ça. Mec, ça faisait 3 heures qu'il était sur son problème. Pourquoi ça pousse pas? Oh, c'est des graines, ça va, c'est pas la mort. Tu leur as demandé. C'est bizarre, je suis bien positionné. J'étais sur la page du wiki. Oh là là. Oh, j'aimerais, trop avoir cette... j'aimerais tellement avoir la vision là. Attends, je comprends pas. Attends, je suis bien placé, on voit bien. Attends, mes graines là, c'est quoi ce bordel là? La terre est labourée. Mais... Tu labourais la terre, y'a de l'eau, mais attends. Attends, pourquoi ça marche pas la merde? Pourquoi ça pousse pas? Putain, c'est plus simple quand on tape les autres joueurs, merde! Oh là, bah non, 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 Pierre, quand même! Aïe aïe aïe. Là, non, tu mais... mets des balles, là, tu mets des balles gratuites. Non, mais c'est toujours rigolo quand c'est un peu les joueurs PVP qui découvrent la survie. Je trouve ça super marrant. Ouais, 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 Je trouve ça mignon c'est... comme tout parce que tu sens qu'ils. Tu sais, alors qu'habituellement, c'est les joueurs PVP, tu sais, en PVP, ils sont en mode. Ouais, faut miner ça, machin. Bien vu de monter à faire, ça, ouais, ça. C'est ça. Et dès qu'il faut planter des graines, ils sont en mode attends, putain, je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas, j'ai un stuff protection 2 et une charpèse 3 et j'arrive pas à faire pousser les graines. Et ça, c'est vraiment trop marrant. C'est la magie de Minecraft. Bah, c'est un peu comme les joueurs speedrun aussi qu'on vu que 0,5% du jeu et. Non, et pas Matox, mais tu sais, genre les joueurs comme. Putain, mais. Tu sais, l'américain, là, l'américain qui ont commencé Minecraft pour speedrun le dragon là. Ils ont perdu. Non mais j'avais compris, t'inquiète. Non mais c'est le pied là. Les dramas commencent. Le petit. Ah. Attends, il a dit quoi là? Hop. C'est comme le genre speedrun débute. Terrible. Ah merde. Le son des oreilles, bâtard. Le son des oreilles. Hein. Tout ça pour 188 points. Bah yes. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui d'accord, c'est parce que t'as mis des points. Ça, non mais ça te pète les oreilles quand tu mets les blocs dedans. Ah bah je prépare. Par contre, pourquoi j'ai aussi peu de points alors que j'ai mis genre littéralement 600 minerais à peu près? Je crois que c'est déjà divisé quand tu les mets. Oui. Ah oui, parce que vu qu'on est plusieurs, c'est divisé. Oui, oui, c'est calculé automatiquement. Ça, le ratio perte d'audition points est pas mal du coup. Ouais. Non mais faites les malins, vous verrez dans les normes. Une rentabilité. Ah non, t'inquiète pas, je vais souffrir aussi, mais... On peut pas l'appliquer. Par contre, Matox a la fameuse strat miner en bordure de chunk, chercher de l'argile et creuser un endroit précis pour avoir du diamant. Enfin, c'est complexe. Hein. En vrai, qui c'est qui est dans le marais là? Moi. Putain, il reparle de ça, mais il me fatigue. Bah non, mais pourquoi non, mais en vrai, Golastrat, on l'attendait. En fait, et Golastrat pour les diamants là de la fin là. Pourquoi il y a un avertissement moins 18 pour le live? Parce que nous sommes en stream avec Matox et il est bien trop sexy, donc voilà. C'est vrai. Je vais encore m'embêter avec ça. Bah écoute, c'est un fact, hein. C'est vrai, Matox, pourquoi tu fais pas de l'ASMR? Mais qualitatif, hein, je parle pas de te mettre des micros, enfin là où tu vois. Non, mais. Non, mais quand tu fais des speedruns, tu mets les micros du clavier. On entend les clics. Avec la petite caméra. Non, beaucoup de gens me demandent, mais je sais pas, je suis pas sûr d'être doué pour ça, on va pas se mentir. Ah, faut essayer, faut essayer au moins une fois. Un petit micro près de ton cœur. Moi j'ai essayé, pour que... ça marche pas. Par exemple. Tiens, un petit micro près du cœur pour chaque fois que tu trouves un bastion, ça fasse boum boum boum. Si je monte tout droit, oui. Est-ce que c'est un risque? Oui. Non. De crever par le gravier. Oui, tu vas crever d'un silverfish, de je sais pas quoi, mais tu vas crever. Non, en vrai, tu risques rien, enfin, c'est du gravier. Du tu vas crever, Monte pas trop. Prendre un RKO. Ouais. Si tu meurs, je te bannis de mon équipe. Ah oui. Ah oui, vas-y, fais. La vie est faite de risques, hein. Ah, c'est sévère, non? Non, je sais pas. Bah, en fait, si t'as rejoint la team, c'est pour gagner, en fait, c'était marqué dans le contrat. Ouais, il y avait pas écrit live F1, tu vois, dans le contrat. Mais après, Ah, ok, oui, ouais, non, mais après. D'ailleurs, mercredi soir, je suis pas là, j'ai un stream. Waouh!
Je me souviens de ça. Le mec, il est premier, il tombe dans la lave. À un moment d'inattention, t'as... c'était fini. T'as vraiment que ça à foutre, Golden? Quoi? Il est à côté. Il avait faim. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Et nourrir des piafs. Hein. Comment on fait pour mettre sur son épaule? Oh putain. Mais casse les. Tu peux pas le mettre dans le coffre à la fin et donner 4 points. Ouais, mets-le dans le coffre. Au pire, ça va peut-être avoir 2 points. Avec quasiment à la surface. J'ai fait la technique safe. Bien joué, ça. Pas envie de me faire ban de la cité au bout du jour 2. Dommage. Merci. Merci Gold. Allô. C'est une belle entraide en tout cas, c'est cool. Entre nous deux, ouais. Ah, dans le chat, Red Redtox et Golden, on dirait Pierre et Jim en plus, en plus jeune. C'est un peu ça. Sauf que nous, on se met des vrais mandales. Ouais, on se met des mandales de bonhomme. Après, on est des vieux cons, donc... Ouais, enfin, il fait un vieux con à 27 ans. Ouais. Ouf. Et ouais. Je me demande dans le chat si Golden il a pas 47 ans et 7 enfants. Pourquoi ça? T'inquiète, on me l'a fait aussi. À un moment j'avais 3 gosses et c'était dans ma cave. Donc, oui, moment... c'est dans le garage. Dans le garage, dans le garage. Dans le garage, oui. Donc, dans... ah. Et c'est pire qu'il y a vraiment des gens qui viennent me voir en mode mais attends, mais t'as vraiment des enfants, mais t'as le temps de t'en occuper avec le stream et tout. Bon, les gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh merde. C'est le meilleur ça, quand tu balances des rumeurs à la con et que t'as toujours des gens pour qui s'inquiètent croire. Pour toi, c'est horrible. Ils sont... c'est... Mais du coup, tu fais pas grave. Comment, tu fais financièrement, ça va. On pourrait lancer des trucs du genre en mode il vient de voir et être président du Zimbabwe, c'est pas trop compliqué. Quand tu pour être streamer et président d'un pays, genre, c'est... je comprends pas. C'est... Tu vois, alors qu'on te dirait des streamers et députés, tout le monde dirait ouais, facile. Quand ça va t'appeler des grosses danses Fortnite avant de faire un discours sur la sur l'hymne des États-Unis. Oh, oh la classe. Attends, j'ai presque... Attends, c'est quoi le bouton B? Regarde, regarde. Boum, je suis président là. Non, on n'entend pas. Ah, petit twerk du président. Let's go. À la fin, il te lâche un vive la France et vive Fortnite. Et vive Michou. Salut tout le monde, c'est Michou. Aujourd'hui, on se retrouve. J'ai un petit discours de président à faire et j'ai un petit box Pokémon à ouvrir. Il va quoi faire, hein. On va faire en même temps, vive la France, vive la République et le Draco Fochané. Wow. Il faudrait que je me présente à la mairie de mon village. Je peux probablement faire mieux que je sais plus quel candidat qui a fait 2 fois. Parce que déjà, oh ouais, si moi-même et ma femme votent, c'est bon, on est à égalité. Mais tu sais que, hey, blague à part, j'ai déjà marqué des points. La dernière fois, on est allé à la mairie. Pas con. Pour un papier. Et non, on s'est fait reconnaître par l'adjointe au maire qui est notre seconde quoi voisine. Mais non. Et dont le fils me connaît. Ça demande un autographe? Non, mais par contre, elle nous a filé son numéro, donc toujours pratique d'avoir le numéro. Oh, de ok mère, quoi, c'est... Pas mal. Non, mais disquette partout. C'est pas garanti qu'Anaï vote pour moi, c'est vrai. Alors, retourne à la mairie, tu verras, Pierre habite ici. Bien vu. D'ailleurs, je suis déçu parce que je ne pouvais pas le prévoir, mais bon, j'ai fait passer mes devoirs... travailliste avant tout aujourd'hui, donc je suis allé sur la cité parce que très honnêtement, ce soir il y avait une course de brouette organisée par le village et franchement... Ah merde, ah ouais non là... Ça a été dur hein, de passer à côté de la course de brouette. Aussi gros dilemme que le match de lundi ou faire le lend quoi, c'est... Ah ouais non, il y avait moins de dilemme que le match de lundi, là c'était course de brouette versus l'épreuve de minage et bon je me suis dit fait chier quoi. C'est un grouillard en dessous. Ah oui, je pense, oui. Je suis crevé. Ça va être marrant à montrer, à regarder, ouais. Ça aurait été marrant que je sorte et je me prenne un creeper dans la bouche, tu vois. Ça aurait été vraiment la meilleure mort possible. Je suis pas sûr. Très rigolo. Ah, ça aurait été ouf. LOL. Bon, y'en a qui font pire, hein, ils meurent par des silverfish. On peut mettre un par un ou on peut tout mettre en vrai? Ah bah, à aucun moment j'ai sursauté quand il y a eu le son, vraiment. Très honnêtement, à aucun moment j'ai sursauté. Hein. Je pense pas qu'ils sont prêts à de la ASMR anal. Hein. En vrai, c'est parce que de base, je joue que son à 10% c'est grave. Quoi? Hein? Hein? Tu dis quoi? De la ASMR anal. Hein? Tu peux redire ta phrase, mais lentement, qu'on comprenne bien ce que t'as dit? De la ASMR. Allez, allô? D'accord, ouais, c'est bien ce qu'on a compris. Après, Pierre, malheureusement, ça, une personne a essayé et ça s'est pas bien passé pour elle, donc. De type quoi, décharmant? Comment ça va? Ah non! Ah non, moi je. Non, 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 mais non, mais non! Mais...
Ah putain, ah j'imagine. Ah non, j'imagine le truc. Oh non. Oh non. En vrai, si tu veux faire ça, tu prends des trucs de hanté. Et juste, tu fais genre, elle chuchote. Il y a plus d'écoute à ça. Allô. Oh le CD là. Deux CD. Et mais ça sert à rien. Oh, mais deux CD quand même. Même ça sert à rien. Mais deux CD quand même. Yamatox qui n'ose pas vous demander si vous êtes pour ou contre le plari plus lentille. Roro qui vient balance. En gros, c'est un forceur, c'est ça son souci. Ah oui, c'est oui, j'ai eu il y a quelques temps en stream un débat sur la fusion du riz et des lentilles. J'ai jamais goûté, je peux pas dire. Et je me suis fait incendier dans mon chat en mode mais ça se met pas ensemble, c'est deux féculents, et tu es fou. Et ben voilà, regardez, ça recommence. C'est féculent les lentilles, Yamatox. Non. Ah bah du coup, c'est ce que je leur ai dit, mais parce que moi je suis pour le riz lentille, mais tout le monde attends, est contre moi. Attends, non, 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 mais enfin, frérot, tu es cringe. Non, il y a un vrai débat. Est-ce que c'est riz lentille ou est-ce que c'est riz lentille saucisse? Bah oui, riz lentille saucisse avec un petit peu de carotte à la rigueur. Ah, le riz cassoulet. Voilà, là, on est d'accord, là, oui, c'est possible. Enfin, des gens sensés. En fait, la question c'est est-ce que la fusion par exemple des pâtes et du riz ensemble ça peut faire quelque chose. Ouh, ça par contre. Ne pas, pas chier pendant une semaine à la rigueur. En fait, t'as de l'énergie directement, mais tu peux plus chier pendant deux jours quoi. C'est, c'est une potion dans un RPG le machin. bonus de vitesse, mais. mais problème de ventre. problème gastrique. Aïe, aïe. Quelle horreur. Non mais en vrai je vois pas encore ce serait mauvais en fait. Ouais, c'est un peu le coup des sushis avant la Zidane, tu vois, c'est un peu la même chose. Alors qu'on me parle de frites riz dans le chat, ah et j'ai une envie de vomir. Alors, là, non, après il y en a qui abusent aussi. Ah non, ah, oui, riz je le chat. Alors par contre riz lentille rougail saucisse ça oui, ça c'est oui, ça c'est. Ah, mais ça, oui, après, mais voilà, genre, saucisse, il y a des plats indiens, mais... des plats réunionnais qui sont composés de riz lentille, ah, tout va bien. Ah hein. Ouais ouais non mais clairement ça c'est 100% oui. Ouais. Très bien. Et les pâtes au Nutella alors. Quel débat incroyable. Mais ceux qui les frites dans la pâte à marshmallow. Ah les pâtes au sucre. Ouais. Comme la gamine dans Super Nanny. Je quoi, les pâtes au sucre. Non mais les pâtes au sucre c'est quand t'es étudiant et qu'il y a vraiment plus rien dans ton mais frigo. Quoi enfin, mais jamais de la vie j'ai mangé des pâtes sucrées. C'est dégueulasse. À la rigueur des pâtes okay, salées okay, comme ça. Ok ok je rectifie. Quand tu es étudiant, qu'il est 2h du matin et que tu reviens complètement défoncé de soirée et que tu penses que le sucre c'était le sel en fait. Ah d'accord, okay. Là oui d'accord. Okay. T'as eu un truc blanc bon. Ah bah t'inquiète pas, le chat là ils sont en forme. Hein. Flageolé au sucre, oui. Oui oui oui, oui, oui tout va bien. Putain, ça fermente encore plus quoi. tu lâches des gaz mais t'es en forme quoi. C'est... Let's go. Hein? Hein? Attendez. Danette chips. Allô? Quoi? En vrai? En vrai? Non mais non mais non 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 non. C'est que bah après, non. C'est mélange bon. Sucré salé. Chips barbecue alors. Non mais tu vois récemment en live j'ai découvert que des gens mangeaient leur yaourt avec du pain. Je savais pas que ça se faisait ça. Quoi ouais, ça ouais. Ouais c'est tu prends le yaourt, tu l'étales sur du pain et tu le manges. Ah non non non, tu trempes le pain dans le yaourt. Ouais tu trempes le pain dans le yaourt. Dans le yaourt j'en sais rien mais ça je sais. Ah, c'est j'ai pas entendu parler de yaourt quoi. J'ai jamais entendu parler de ça tu vois. C'est intriguant. C'est cringe un peu non. Non bah non, on va pas quand t'as du pain en mode tremper et tout tu vois. Quand il tresse c'est la fin. Mais enfin tu cringes à manger ton yaourt avec du pain. Pour saucer le fond. Ah, c'est un bon yaourt. Oh la phrase de trop. Oulala. Doucement, doucement. Oh là là là. Céréales avant ou après le lait? Céréales sans lait. Oh oui, c'est encore quel plaisir d'entendre ça. Moi céréales fromage blanc. C'est tellement dégueulasse les céréales mous. Mmh. Bah moi justement c'est pour ça moi céréales je, moi, ça je mets... doit croustiller non, mais, sous la non, mais dent Pierre, moi justement moi je mets céréales après le lait, je me fais un bol de lait et je mets des céréales que je fais au fur et à mesure. Oui, donc tu sais, je les laisse pas fondre dans le bol, tu sais, t'en mets un petit peu, tu manges tout, t'en remets après. Non non, céréales juste comme ça voilà, avec un bon verre de jus oui, d'orange. Oui mais après oh, oui, ça devrait aussi. Oui bien sûr, ça marche aussi. Mais Golden va miner là haut. Je fais que ça. Mais non mais il s'aère l'esprit, il vient de dire il est trop, il s'aère l'esprit. Aïe les oreilles. Me secours. Ça fait quoi si je te tue? Ah mais pour le pain au chocolat, c'est juste que la majorité des Français disent pain au chocolat. Dommage. Ouais, et au petit frais, au petit chez jardin. Donc pour ouvrir le souci avec Optifine. C'est quoi le souci avec Optifine? Doucement, doucement, Dema, calme-toi. C'est pas grave. Optifine. C'était... C'est pas si j'ai oublié, j'ai rien de français. C'est
Oh là, ils sont en train de s'engueuler là. Qu'est-ce que t'as fait, Ika, encore? Aïe, aïe, aïe. Bon, on est bien là. Mais oui, on est bien. Trop. Mais. Putain. Arrêtez de vous taper, les enfants. Ça suffit. Attendez, j'ai encore des points, j'ai encore des points. Mais ils ont full stuff aussi là, les mondes de chouchettes. Imaginez qu'ils enlèvent des points parce qu'on s'est tapé. Non, yes. Ouais, vous connaissez pas les règles subsidiaires, hein, donc. À moi le stuff. Moi, j'ai éliminé le perroquet. Mais en plus, vous avez mis que de la merde dans les coffres. Oh putain. Ça t'étonne si j'ai dit que ça serait tox. Oh. Oui. Oh putain. Attendez. Ça passe pour demain en plus. Oh oui, let's go. Ah oh oui, bah tout, vas-y. Tabasse-moi ça. Attends, mais quoi? Ah oui, la chimante diamant. Bah allez, c'est fini, 3755. Y'a là, salaud. Yes. On aurait pu fermer les pioches comme vous pouvez, ça. Vous pouvez retourner à la cité en tapant livre. Bon, attendez. Ah, téléportation annulée. Non, arrêtez de taper là, on livre là, wow. Allez, au revoir. On part pas. Il est où, putain de merde. Je sais pas, faut que je le demande. Mais arrêtez là, on part. On part pas. Putain, ça lag en plus. Arrête. En vrai, t'es coincé. Mais putain de merde. Je veux juste rentrer chez moi. Allez, slash hub. On est 6ème. On est 6ème. Voilà, si vous avez miné à la fin. On est derrière Olicube, les gars. On est derrière Olicube. Mais attends, mais t'as vu tout ce qu'on a ramené? Bah, il y avait Mel aussi dans l'équipe. Bah ouais. En vrai, on aurait envoyé que les meilleurs mineurs, on serait trop. Et bizarrement, c'est les gris en première position quand même. Bah tiens. Ah ouais, c'est tant de points que ça? Attendez, je vais m'enquérir. Non mais moi j'ai eu 40 diamants en 2 heures, tu vois, par exemple.